Payet. Enzo, la place à Payet. Payet, la place à Enzo. Il a joué Brian. Super Brian. Ça. Très bien. On a été un peu en difficulté, notamment en première mi-temps. On sait qu'on a trop fait tourner le ballon, on n'allait pas assez vite de l'avant. Et puis on prend ce but par un manque de concentration qui nous pose défaut en ce moment en championnat, puisque à chaque fois on prend des buts sur coup de pied arrêté. Mais on travaille, moi je suis un entraîneur qui aime le jeu, c'est peut-être pour ça que j'étais pro une poule à 16. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime le jeu, donc c'est vrai que l'avantage c'est qu'on essaye toujours de jouer, de mettre de la qualité, mais malgré ça des fois on tombe trop dans la facilité et j'ai pas assez d'effectifs et de joueurs d'expérience pour rivaliser peut-être avec Léo, mais ça ne nous empêchera pas de jouer quelque chose au championnat. Je pense que l'avantage de ce championnat, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et celui qui va monter, je ne pense pas qu'il va monter avec 15 victoires comme chaque année. Ça va être un championnat très serré. On a de beaux matchs. Il y a tout le monde, comme je dis, qui peut battre tout le monde. J'ai eu des résultats un peu impressionnants la dernière fois. Nous, on en prend 3 à Monaco, on en prend mes 4 chez nous. Voilà, les scores, des fois, ils sont un peu larges et pas logiques dans les deux sens. Aujourd'hui, ce championnat, il est tellement, on ne sait pas combien il y aura de descente. Donc, tous les dimanches, c'est important. On ne peut pas se focaliser, je pense, jusqu'au match retour pour tout le monde. Donc, après, il y aura un groupe qui va peut-être se détacher. J'en suis pas vraiment sûr, mais ça peut peut-être se détacher sur 3 ou 4 équipes. Mais le reste va jouer une montée ou un maintien. Quels sont pour vous les favoris? Ah, les favoris, il y a Foss, il y a Carnot qui a bien recruté. Je pense qu'ils sont plus armés que nous. Et après, on peut toujours avoir la surprise de Salon, des équipes un peu comme nous. Hein. On peut être une petite surprise parce que si on n'a pas de blessés, c'est vrai qu'on a un effectif qui peut jouer quelque chose. Si on commence à avoir perdu des joueurs sur blessure ou Covid, c'est vrai que ça va être compliqué. J'ai été voir Carnot contre Menton. Tout le monde me disait que Menton c'était très faible. Alors peut-être qu'ils n'ont pas un gros effectif, mais quand je vois le match qu'ils ont livré avec beaucoup de valeur à Carnot, je trouve que c'est l'équipe qui va jouer aussi les troubles faits dans ce championnat. Donc aujourd'hui, je vois personne relégable. Aujourd'hui, tout le monde doit travailler pour ne pas être relégable. Et on verra sur les matchs retour. Je pense qu'à partir du mois de février-mars, on y verra un peu plus tôt, plus clair sur l'évolution des matchs. Merci à vous.